Vous croyez la guerre terminée ? Vous aviez tort. Les États-Unis ont répondu en lançant l'opération Choc et Stupeur. Mais la Chine, elle, n'hésite pas à aider ses amis. Les États-Unis estiment qu'un général se faisant appeler Dr. Trax est l'investigateur de ce programme. En humiliant les États-Unis d'Amérique, en pénétrant ses frontières, en s'emparant de ses armes de destruction. Il se peut que la transmission devienne très difficile. Command and Conquer Generals R.H. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Monsieur Pops, et aujourd'hui on se retrouve sur Command and Conquer Generals R.H. pour la suite de notre playthrough, la suite de la campagne défi, la quatrième mission de la campagne défi. Lors de la précédente mission, nous avions défoncé littéralement le général Granger, le général armé de l'air USA. On l'a complètement défoncé la gueule, il a absolument rien compris. Juste avant, on avait vaincu le Dr. Trax, ça a été un petit peu plus compliqué, j'ai ragé un peu. Et lors de la première mission, eh bien, nous avions vaincu le général Laser. Eh bien, on continue, on va affronter un nouveau général aujourd'hui. Bien entendu, on ne sait pas qui c'est, mais ce qui est certain, c'est que l'objectif reste le même, il faut lui botter le cul. Allez, c'est parti pour la quatrième mission de la campagne défi sur Command and Conquer Generals R.H. C'est parti. Je m'appelle Kassad. C'est tout? Juste, je m'appelle Kassad. Sérieux? Ah, c'est vraiment la discrétion, ce mec. Voilà encore une victime de ma force. Ce sera pareil pour vous, général, en silence et en force. Vous pouvez encore fuir à toutes jambes, général. Hein. On se retrouve aujourd'hui donc pour la quatrième mission de la campagne défi sur Command and Conquer Generals R.H. Et aujourd'hui nous affrontons le général Kassad. Le prince Kassad. Le général Jela furtif. On l'avait affronté dans la campagne Jela, dans la deuxième mission de la campagne Jela. C'était assez compliqué par ailleurs. Oh putain! Déjà? Non, c'est bon, il se barre. Fou, j'ai eu peur un instant. Oh la vache, j'ai cru qu'il allait m'attaquer ce fumier. J'ai même pas eu le temps de m'installer. Bon, voilà, on voit enfin la carte grâce au radar. C'est ce que nous verrons. Kassad. Général furtif, un général très chiant. très chiant, oui. Très chiant à affronter. Sa base est un peu éparpillée un peu partout, hein, à ce que je vois. Il y a des puits de pétrole un peu partout aussi, mais qui sont gardés, hein, on l'a bien vu dans la cinématique d'intro, là, ici, là, ça c'est bien gardé. Donc il va falloir se montrer méfiant, installer une défense. Installer une défense digne de ce nom. Et puis... Et puis on va essayer de le repérer, ça va être ça la première chose à faire, ça va être d'essayer de repérer ses bâtiments, de repérer ses unités, d'éviter les pièges explosifs. Hein, j'ai vu un ouvrier tout à l'heure là qui était en train d'en faire un. Donc il faudra se montrer méfiant. Bon, pour l'instant ces unités ne sont pas furtives. Peut-être que vous le savez pas, mais le général Jela furtif peut rendre furtive ses unités, aussi bien les rebelles. Enfin, les rebelles sont déjà furtifs, déjà à la base.
Et vous avez les chars qui peuvent être aussi furtifs comme cette Jeep. Cette Jeep peut être furtive. Allez à l'intérieur. Ces Jeeps peuvent être furtifs s'ils utilisent un brouilleur GPS. Heureusement. Pour l'instant il l'a pas encore fait. Allez à l'intérieur. Voilà. Bon, niveau défensif, c'est pas exceptionnel. Je ne m'en cache pas. Mais bon, au moins, c'est installé. Maintenant que j'ai capturé ce Derrick, mes forces grandiront encore plus vite. Ah, il a pris un Derrick. Bon, l'avantage, c'est que le général Gela furtif, on va pas s'attendre à une grosse armée qui va nous arriver dans la gueule. Hein. Ça, c'est un peu l'avantage. Ce sera toujours des jeeps ou des quads. Rien de très exceptionnel. C'est plutôt un bon point. D'un autre côté, il va falloir se montrer méfiant. Faudra pas avancer à l'aveuglette, hein, ça c'est certain. Ce ne sera pas aussi facile. Les espions m'indiquent que vous avez construit votre complexe, général. Vous êtes enfin prêt à vous battre. Mais j'ai toujours été prêt. J'ai hâte de vous voir attaquer, général. C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Il est pressé, hein. Il est pressé de se faire battre. Il veut la fesser. Il va la voir. Bon, l'aérodrome, je sais pas s'il va nous être utile. Étant donné que ben il cache des Sith Singer un peu partout, le fumier. Là il y a des plateformes d'artillerie là qui sont cachées. Enfin cachées. Et qui font partie du décor et qui bien sûr il les a récupérées. C'est, je vous l'ai dit, ça va être une mission compliquée, ça va pas être simple. Au moins la défense c'est assuré. On va réparer un peu ça. Encore un camion s'il vous plaît. Niveau char, bah déjà tout ce qu'on peut faire c'est déjà prendre les améliorations. C'est très sage de construire un aérodrome. Mais les avions ne suffiront pas à me vaincre, général. Alors il y a ma lieutenant qui a essayé de dire un brouilleur GPS a été activé. Elle a été coupée par le prince Kassad qui n'a aucun respect pour... ma lieutenant, et ça ne va pas du tout, ça. Oh putain, ça attaque à... Ça attaque... Nous sommes entrés dans votre base, général. Oh non, mon dieu. Pas ça. Bon, on va envoyer une Gatling. Il faut qu'il la fasse vite. Vite. Et lui qui est là, qui est de ce côté-là. On va mettre 2 ans à arriver, c'est pas possible. Non, c'est bon. Mais je sais, oui. Il y a déjà embuscade, le fumier. Allez, fais-toi plaisir. Mais dépêche-toi. Voilà, c'est bon. Oh putain. Ça essaye de s'incruster. On va pas du tout ça. Votre base est si grande, général. Pensez-vous pouvoir défendre tous ces bâtiments en cas de capture ? Oui, c'est à condition que tu ne fasses pas une embuscade comme celle-ci là. Espèce de fumier. Bon, ils ont envoyé des motos avec des kamikazes. Ça, je m'y attendais pas. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si que je peux te vaincre. Faut juste qu'il va falloir me montrer méfiant. Et concentré, faut que je sois concentré. Parce qu'à tout moment il peut apparaître. Oh mon dieu, pas ça. Les buggy lance-roquettes. Donc finalement les MiG vont nous être utiles. Comment pouvez-vous vaincre mes forces? C'est impossible. Félicitations, général. Vous avez été promu. Ah, on a été promu, ça c'est bien ça. Voilà.
Ah oui, bon, en fait, non. J'attaque au moment le plus inattendu, général. Oh, mais je te reconnais bien là. Non, c'est qu'en fait, je veux pas le foutre là. Je sais pas pourquoi j'hésite. Je sais pas si je devrais mieux le mettre là ou ici. Allez, va pour ici. Normalement, y a rien qui pourrait nous surprendre. Non, non, tu construis ça, tu construis ça. Ça. Ça s'arrête. Ça répare. Voilà. Des MIG, c'est parfait. Finalement, les MIG vont nous être utiles. Oh putain, merde. Putain de bordel. Là. Voilà. Oh merde. Vite, recharger les MIG, recharger. Vite. Oh putain. Allez, en avant. Détruisez-les. Voilà. On a perdu un engin de chantier. C'est vrai aussi, les attaques furtives. Bah, je pensais pas qu'il l'aurait si tôt. C'est ça que... Je sais qu'il y aura toutes ces choses-là, je sais qu'il va me faire chier avec ça. Ce foutu général Kassad. Mais... Vraiment, il aime bien ce quoi-là. Il aime bien ce quoi-là, donc on va construire un petit centre de propagande. Enfin, pas un centre de propagande, un haut-parleur d'embégatement pour que mes engins de chantier, s'ils réparent les trucs, puissent être soignés. Voilà. En même temps qu'il répare. Ça, c'est un petit truc que j'aime bien faire. Comme ça, je perds pas mes engins de chantier. Ça me permet de ne pas les reconstruire après. Et ça coûte assez cher, les engins de chantier. Ça a l'air de rien comme ça, mais... 1000 balles, c'est quand même un coup. Paul Gatling, tu vas rester ici. J'aurais besoin... des technopirates. Il va falloir des technopirates. Il va falloir le centre internet. Voilà, il a tout de suite compris qu'il va construire ça. Encore des kamikazes. Heureusement, ils sont pas à moto. Allez, on a gagné. Le barrage d'artillerie, deuxième. Barrage d'artillerie 2. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout. Je ne sais pas du tout où est l'ennemi. Ça va être un peu chiant, ça. Ouais, ça va être un peu chiant. Par ici, le centre internet. Et putain, non! Oh non, pas ça, pitié! Non, non, mais sérieusement! Non, mais sérieusement, non! Pas ça! Pas ça! Non! J'ai extrêmement ragé avec le général Toxin. Avec cette espèce de bombe anthrax de mes deux. Mais merde, quoi! Mais non! Non! C'est moi qui dois tout faire ici. Mais non, pitié quoi, pas ce truc. L'ennemi tente de s'emparer d'un de nos bâtiments. Raté, connard. Putain, non, pitié quoi. Je suis au courant, connard. Je sais que ma base est attaquée par un putain de truc de merde. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Putain, mais non, mais rien qu'à l'idée qu'il y a encore ce putain d'avion avec la bombe anthrax, ça me fait mais vraiment très chier. Vous pouvez pas imaginer comment ça me fait chier, ça. Ah putain, les buggy. Allez, fais-toi plaisir. Dépêche-toi par contre. Oui, ce serait bien de te dépêcher. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Unité perdue. Oh, mais sérieux. Putain, c'est pas vrai. Et 6 scuds en plus. Mais vas-y, c'est pas possible.
Non, je vais pas refaire le MIG. J'ai besoin de sous. Voilà, vous les technopirates. Dans le centre internet, on a besoin de vous. Et j'avais pas construit une Gatling ici. Elle a disparu comme ça. Ok. Il y a vraiment des trucs bizarres. On va aller à l'intérieur. Bon, on va mettre un code à chacun de nos avions, comme ça ils vont être disponibles à n'importe quel moment. Ah voilà, le centre internet nous a donné notre pirate satellite première génération. Donc il y a un poste. Il y a un poste de commandement dans ce coin. Et il y a un poste de commandement ici aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, on ne les voit pas, c'est normal, hein, ils sont furtifs. On ne peut pas les voir. On va se prendre un site scud dans la gueule d'ici 3 minutes 40. 3 minutes 40 passées. C'est pas cool. Donc c'est problématique surtout. C'est très très chiant. Pour l'instant on n'a pas fait grand chose. Hein. On a essayé de faire une défense, un truc comme ça. On va faire un lotus noir. Oh putain, c'est pas vrai. Oh putain. Allez. Voilà. Bon, ça suffit pas. C'est bon, c'est bon. Voilà. Nous vous remercions de votre visite. Allez, lotus noir en avant. Il faut que je sache ses positions à cet enfoiré. Parce que pour l'instant, je ne les connais pas. Alors, je vais spéculer quand même un peu pour savoir où est-ce qu'il va balancer ses seed skulls. Parce que de toute façon, je ne sais pas où ils sont, donc je ne peux pas savoir. Qu'est-ce qu'il en a pu faire. Ah, attends, ce sera le numéro 4. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire, mais j'ai quand même spéculé de l'endroit où il va mettre, et je suppose que ça va être les MIG. Très franchement, parce que... il n'y a rien d'autre nulle part. Ou alors ça va être le centre internet, c'est possible aussi. Mais je vous le dis, je pense que ça va être l'aérodrome en fait. Donc là, il y a déjà un piège explosif. Donc ça, c'est chiant. Mais je l'avais repéré, mais voilà, il est là. C'est chiant. On va avancer un peu. Je me demande si on peut pas récupérer les puits de pétrole qui sont là. On va essayer de voir. Non, il y a un réseau de tunnel là. Ah. Réseau de tunnel. Plus. Piège explosif. Je n'en sais rien. Et piège explosif en tout cas. Oh putain, c'est pas vrai. Oh putain. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On va pas s'en sortir, les gens. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, les amis. On va pas s'en sortir. Ok, donc là il y a du people. J'ai jamais affronté le général furtif en campagne des filles. Je ne l'ai jamais rencontré. Quelque chose me dit que ça va être bien chiant. Bon, je propose, voilà, un petit nettoyage par ici. Oh putain, c'est pas vrai. Allez, go, go, go. Putain, il y a encore une fois le... Qu'est-ce que c'est que ce bug? Pourquoi le... Le Gatling que j'ai installé ici a disparu. Je pourrais savoir, s'il vous plaît? Non? Je peux pas savoir. Bah, j'aimerais bien, putain. Bon, on va construire une Gatling ici. Oh, putain. Non, en fait, non. Où est-ce qu'il va envoyer ces machins? Ah putain!
Putain, les buggy. C'est bon. Putain. Ok, le monsieur nous a envoyé une bombe anthrax plus des seed scud. Rien que ça. Rien que ça. Monsieur n'y va pas par quatre chemins. Il nous envoie aussi des putains de... Ok, donc j'ai perdu déjà dans ma spéculation. Voilà le travail. Vous allez là-dedans. Ok, donc en fait, il a visé ici. Il a visé une... un réacteur nucléaire de pointe qui était juste à côté. Je cherchais le nom, c'est pour ça que j'ai regardé. C'est parce que je cherchais le nom. Ok, il nous a détruit une centrale, donc ça c'est pas gentil. On va en construire un. Il nous a détruit aussi le dépôt d'arrivitaillement, donc ça aussi c'est plutôt chiant. On va le réinstaller. De toute façon, bon, on a des centres internet maintenant. Ce qui est bien avec le centre internet, c'est que c'est plutôt résistant, donc c'est plutôt bien. Vraiment, une attaque du site scud suffira pas. D'ailleurs, j'ai pas repéré où est-ce qu'il était son site scud. J'étais concentré. Donc j'ai pas repéré où est-ce qu'il était. On pourra bien le faire de toute façon. C'est dans le calme qu'il faut le plus me craindre. Je n'en doute pas un seul instant. Ah putain, encore. Oh, mais c'est pas vrai! Vous allez arrêter de me faire chier avec vos putains d'attaques furtives de merde. Ok, il y a le technopirate qui se balade tranquille. Bonjour, je fais que passer. Oh mon dieu, c'est pas vrai! Ça arrête pas, hein. J'ai pas de répit, hein. On n'a pas de répit. Ça n'arrête pas. Ne vous endormez pas, général. Je peux vous attaquer à tout moment. Mon dieu, mon dieu. Allez, putain, dépêchez-vous. On va pas s'en sortir. Nous avons découvert un ennemi, German Tell. Oh putain, non, pas German. Oh, et puis merde. Bon, heureusement, il a été buté avant. Bon, je craignais qu'il bute un de nos tueurs de char, mais ça va. Répare-moi ça. Toi, une Gatling. C'est bon. Bon, il n'y a plus d'argent ici. On va faire ça, même si ça sert un peu à rien. Et là, ceux qui sont visibles. D'ailleurs, je vais le renforcer avec un autre Shard Gatling. Un brouilleur GPS a été activé. L'ennemi tente de s'emparer d'un de nos bâtiments. Voilà le travail. Unité perdue. Nom de Dieu, que j'en ai marre de ces buggy. Bon, il va détruire la plateforme. Bah écoutez, il servait pas à grand chose de toute façon. Il va détruire un agent de chantier, l'enculé. Ça, j'avais repéré ça. Putain, il va en m'envoyer un site scud. Déjà. Il va déjà m'envoyer un site scud, encore une fois. Un autre site scud. On va rayer les avions. S'ils ont le temps. C'est bon. On verra bien. Où est-ce qu'il nous envoie? Je l'ai pas vu encore une fois. Si, il est là! Je l'ai vu. Nous avons découvert un ennemi, German Kell. Je m'en fous, je l'ai vu.
Construction terminée. Je construis pour la Chine. Ok, donc il a décidé de nous attaquer ici. À l'abri des regards, prêt à frapper. Il a décidé de nous attaquer ici. Pourquoi pas? Les avions, vous arrêtez votre activité. Enfin, je dis ça, en fait, vous allez plutôt continuer parce que... Non, ça va, c'est des... Comment ça s'appelle? Des terroristes. Je cherche mes mots aujourd'hui. Je suis désolé. C'est bon, ok. Allez, petit massacre entre amis. Il faut repérer... La discrétion est mon allié et votre ennemi. Ok. En tout cas, moi j'ai vu. J'ai vu où est-ce que tu avais mis ton putain de site scud. Regarde, je t'ai même touché. Je vais essayer un avion, on sait jamais. Écoutez. Hein. Des fois, hein, des fois ça tient un peu de choses. Hein. Un avis de tapis de bombe atomique. Ah, ça passe? Sérieux? Non, ça va pas passer. Si? En tout cas, il est bien là. Bon, c'est ultra défendu. Mais je l'ai repéré, leur site scud. Oh putain, non, c'est pas vrai! Nous frapperons comme le serpent, vif et mortel. Je suis sanglé et paré. Pas de bouteille, rien dans le marché. Nous avons découvert un ennemi, Germain. Non! Il n'y a plus de défense. Il n'y a plus rien. Oh putain. J'ai plus un seul engin de chantier. Si, j'en ai resté. Oh putain, toi t'as survécu de nulle part. Oh mais c'est pas vrai. Oui, bon, il y a la toxine donc ils vont se faire tuer. Il n'y a plus de défense. Ils attaquent notre base. Unité perdue. Ok. On est vraiment, vraiment dans une merde noire. Mais vraiment. L'ennemi tente de s'emparer d'un de nos bâtiments. L'ennemi tente de s'emparer d'un de nos bâtiments. Mais vraiment, dans une merde noire. On n'a plus aucune défense. Il me faut des chars qui servent à rien, là. Non, tu vas refaire la défense. On est en putain de danger. Intérieur. Voilà. Toi, tu me fais ça. Toi, tu vas là. Unité perdue. Là, les avions, je vous en conjure. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Ça me harcèle depuis le début, il n'y a aucun moyen de défense. A chaque fois on se fait harceler par ces putains de buggy lance-roquettes de merde. On a encore un site scud qui va nous arriver à la gueule. Pour changer. Unité perdue. Construisez les chars.
le char. Chantier terminé. J'aime. Lance-roquette. Ah, j'aime les grosses cibles. Il faudrait retaper un peu ça. Bon, vous avez vu, ils visent tout le temps au même endroit. C'est plutôt bizarre, mais bon, écoutez, si ça l'amuse. Les maîtres de guerre, allez-y. J'envoie des maîtres de guerre. En fait, comme ça, ça va pouvoir l'occuper pendant un temps. Si comme ça, il va arrêter de m'emmerder. Vous deux, vous allez arrêter de faire les cons comme ça. On va venir immédiatement à la base. Donc finalement, les MiG sont nos meilleurs alliés. La Chine a besoin de nous. Je compare... En fait, vous allez faire tampon. Je change de position. Je sers les besoins de la Chine. En fait, parce que les fumiers, ces fumiers vont vous attaquer, n'est-ce pas? Hein, il va, les buggy lance-roquettes vont vous attaquer. Ça va faire chier. Hein, ça va être chiant. Mais au moins. Voilà, et puis German Kell va bien s'amuser aussi. Bien sûr. C'est certain même. Il n'y a personne ici. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Unité perdue. On va percer leur blague. Mais au moins ils vont se faire détruire, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et au moins mes défenses ne seront pas harcelées. Car c'est vraiment ça le problème, hein. C'est vraiment que je me fais harceler par les buggy lance-roquettes, par ces conneries. Et j'ai aucun moyen de vraiment me concentrer. C'est vraiment ça le problème, c'est qu'il faut que je me concentre. Voilà, moi je suis un joueur comme ça, c'est que j'aime bien être concentré. J'aime pas qu'on vienne me harceler tout le temps, là, c'est très désagréable. Je perds un peu mes moyens, je sais plus trop ce qu'il faut faire. Apparemment, il a changé de cible, hein, vous avez vu. Vous avez peut-être l'avantage, mais vos tactiques désespérées ne souffront pas, général. Moi, je veux d'abord voir le meilleur endroit pour vous attaquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pirates de la route. Je ne veux pas qu'ils utilisent mon propre armement. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ok, là je suis repéré. On va peut-être se barrer, Lotus Noir. Bien. On va prendre ce truc. Apparemment, il est tout seul. Il est solitaire. Voilà, j'ai vu les pirates de la route. Hop là. Toi aussi. Allez. Moi, je résisterai à ces conneries de... Buggy lance-roquettes. Ils sont vraiment les trucs les plus chiants. Oh putain, encore. Oui, bah German Kell va s'amuser, écoutez. Non, il va le détruire. Voilà. Sauf que les autres chiens vont être détruits aussi. Voilà. Bien. Il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration. On va construire une autre centrale, un autre endroit, parce qu'ici on va construire, vous le devinez peut-être, quelque chose qui fait badaboum. Oh putain, non! Putain, il réussit toujours son coup, l'enculé! Toujours! Les avions, ça va. Bon, toi tu vas mourir lamentablement, j'imagine. Voilà, c'est sûr. Non, 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 tu restes là. Tu restes là, tu restes être soigné par le haut-parleur. Là, on ne peut plus rien faire pendant quelques temps. Putain, il a reconstruit son site Scud. Je te le détruirai, moi, ton putain de site Scud. Oh, putain, c'est pas vrai encore. Sérieux quoi. Et allez, ça détruit le bunker en moins de 2. Ça s'amuse, hein. Ça s'amuse. Bien.
Oh, t'es quasiment morte, toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, nom de Dieu? J'ai hâte de vous voir attaquer, général. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Bah, faudrait d'abord que je repère tes positions. C'est ça qui est le plus chiant avec toi. C'est que tu te planques. Tu te planques comme un putain de lâche. Salut. Non. Rien du tout. Rien du tout. Unité perdue. Ah, si. Si, finalement. Il y en a un qui a craqué. Il s'est dit, il faut que je la bute. Et il l'a buté. J'ai besoin du lotus noir. J'en ai besoin. Un brouilleur GPS a été activé. Putain, c'est pas possible ça. Ah, oh, qu'est-ce que je vous ai dit, vous? Allez, à l'intérieur. Là, on recommence. Hein. Encore et encore. Contre ces putains de buggy lance-roquettes qui s'amusent. Hein. Voilà, je veux que vous protégiez ce secteur. Et que vous arrêtiez de détruire ce truc parce que je vous ai rien fait. Voilà, il ne vous fera rien. Gatling, haut-parleur d'embigatement. J'ai dit donc une autre centrale aussi. Pour la simple bonne raison qu'on va vendre celle-ci et construire quelque chose de plus généreux et de plus destructeur. Je peux vous attaquer à tout moment maintenant. Ah, c'est marrant ça, tiens. Vous avez vu? C'est bizarre. Et quand le bunker est rempli, il attaque. Quand il est vide, il n'attaque plus. C'est amusant ça, tiens. Je l'ai même pas remarqué. C'est bizarre surtout. Pourquoi? Pour détruire le bunker? Parce qu'au final, c'est ça qui me fait chier, c'est qu'il détruit le bunker. C'est pas tant fait qui tue les tueurs de chars, c'est pas un problème, ça on peut en refaire. En route. Vous ne pouvez pas me vaincre, général. J'avoue que j'arrive pas à le repérer, ça me fait chier. C'est que j'ai pas envie d'avancer comme ça à l'aveuglette. Bon, on va faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut un endroit où attaquer. Il nous faut un endroit. Il nous faut un endroit où attaquer, il nous faut... Il nous faut un endroit où attaquer, il nous faut un endroit où... les buter. On a l'armée. C'est des empereurs. Ça suffit peut-être pas. Là, on va beaucoup moins rigoler, monsieur Kassad. On va beaucoup moins rigoler, là, monsieur Kassad, avec le missile nucléaire. Ok, dans 50 secondes, tu vas me détruire un truc. Mais tu sais quoi, je suis paré. Ah! Des mines. Ah, carrément. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y aurait eu un réseau de tunnels que je n'avais même pas vu. Ouais, c'est possible. Bon, vous. Sérieux, il attaque mal là maintenant. Amélioration achevée. Bon. Oh, les mix sont à bombe atomique maintenant. Ça va moins rigoler là. Il y a de la thune ici. Les hommes sont partout sur le terrain général. À l'abri des regards. Prêts à frapper. J'espère que ça vous. Bien sûr que ça vaut le coup. Évidemment que ça vaut le coup. Là, ça va beaucoup moins rigoler, là. Hein. Allez, avancez, avancez. Faut avancer, là. Pour éviter de se faire un side scud dans la gueule. Et on va avoir un peu de fight, ici. Allez, à l'attaque. Détruisez-moi ce site Stinger. Ok.
Voilà. Alors le problème, c'est que là, il y a des hommes à l'intérieur de ces bâtiments-là. Unité perdue. Et que c'est très facile de perdre un empereur. C'est très facile de le perdre un empereur très facilement. J'ai dit deux fois facilement dans la même phrase, ça n'a aucun sens. Le temps d'y aller. On y va. Ouais, allez, on y va. Allez, détruisez-moi ce bâtiment. Apparemment, ils n'ont pas l'air nombreux à l'intérieur. Voilà. Liquidez tout. Pour l'instant là, je vais essayer de m'occuper de ma petite base. Une fois de plus, c'est fait massacrer. Voilà. Hop. On va réparer tout ça. Allez. Voilà. Ça y est. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas encore l'heure de la contre-attaque, mes amis. Mais ce qui est sûr, c'est que là, disons que je veux montrer ma sympathie. Je m'installe et je fais le nécessaire. Je m'installe dans la région, enfin. Enfin, je m'installe dans la région. Là, il y a German Kate qui s'est amusé. Il m'a privé un empereur. C'est pas un problème, ça. Il pourra faire autant qu'il veut, German Kale. Je le tuerai quoi qu'il arrive. Liquidez-moi ce bordel. Détruisez-moi ce réseau de tunnel. Voilà. On recule. Et on va balancer la prochaine attaque. On refait la défense. On reconstruit les bâtiments qui ont été détruits. Là, cette fois-ci, il a vraiment visé la défense. Hein. Il a pas vraiment visé le missile nucléaire. De toute façon, son Scud, il va disparaître. Là, on va faire un petit nettoyage comme on les aime. Détruis-moi ça. Voilà. L'avion. Bombe atomique. Allez! Petit nettoyage en règle. Et amusez-vous. Je vais reconstruire des empereurs. Et on fera d'autres attaques successives comme ça. Il m'a harcelé avec ses putains de buggy lance-roquettes. Nous, on va le harceler avec nos empereurs. On va faire un bordel monstrueux. Et c'est lui qui va déguster. Voilà, j'ai super tête et caprice pendant un petit bout de temps. Trop longtemps. Maintenant, c'est bon. On arrête de déconner. Tes hommes. T'en as rien à foutre de tes hommes. Prince Cassette de mes deux. J'ai rien à foutre, German Kale. Il peut priser autant de chars qu'il veut. Il y en a 6 autres qui vont arriver. Ça va être un petit massacre en règle. Voilà. Allez, prochainement. Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? Un trafiquant d'armes. Et allez. Oh putain, encore des défenses. Ah d'accord, ok. Bon, on va encore perdre un bunker. Non, oh, non, c'est bon. On a de la chance. J'aime bien avoir une bonne défense. Une défense fiable. Rien à foutre. Voilà, nos empereurs vont faire le reste. Oh putain, il y a du people ici. Va falloir coordonner. À l'attaque! Allez.
Ok, ce petit bâtiment a littéralement défoncé mes empereurs. Techniquement, c'est ça. C'est... Il les a défoncés. Allez, en avant. Faut aller par là, ensuite. Parce qu'on peut pas rejoindre le reste de la base. On fera un petit nettoyage en règle, comme on aime. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire ici. Missile nucléaire, oui monsieur, missile nucléaire. Et même, je pourrais te dire, dans ta face. Voilà, bon ça a pas touché le bâtiment, curieusement. Mais c'est pas un problème. Oui c'est ça, il a tenté, et il a échoué. C'est ça aussi la GLA, c'est que ça essaye des trucs. Puis finalement c'est l'échec. Attends. Réunissez-vous ici, finalement. Unité perdue. Voilà, ils étaient 4. Non, il y en a un là. Voilà, toi, tu vas rejoindre. Pendant que vous... 3. On va aller par ici. Il y a German Kell qui s'amuse, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. Il y a German qui s'amuse. Qui veut désactiver mes empereurs. Mais ça, je le dirai jamais assez. Ce sera insuffisant. Je suis en capacité de construire je ne sais combien d'empereurs. Alors, va falloir arrêter de me prendre pour un con. Quoi que vous fassiez. Vous avez détruit mon poste de commandement. Je vais être obligé de s'y... Empereur en route. Ah, il m'a félicité, il est sympa. Et on a encore perdu. Lorsque une verrie sera trop tard, général. Ce, je rêve où ce bâtiment n'a subi aucun dégât. Un brouilleur GPS a été activé. C'est incroyable ça, ce bâtiment, je lui ai envoyé un avion dans la gueule, il a rien reçu quoi. Foutage de gueule. Ah putain! Oh le lotus noir qui passe. Oh putain le lotus noir qui est passé. Allez. Ah, German est là. Salut German. On va faire un peu le tri. Je sais que t'es dans le coin, sale. Plus sale vermine, va. On va faire un peu le nettoyage avant le... La valse des empereurs. Allez! On va finir une bonne fois pour toutes. Je sais pas s'il reste des bâtiments par ici, j'en sais foutrement rien. Allez, Lotus Noir, tu vas devenir un empereur. J'ai besoin de toi. Les empereurs vont me rejoindre. Celui-ci est paré. Voilà, on a fait un joli petit bordel. Voilà. Vous allez le rejoindre immédiatement. Les MIG, je vous rejoins dans une seule unité. Nous défendons le ciel chinois. Nouveau cap confirmé. Je change de cap. C'est pas grave. Allez-y. Tuez-les tous. Ok. Ah, comment il a fait ça, sérieux? Sérieusement.
Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse faire ça. Le Flitzinger en plein milieu de l'océan, enfin au plein milieu du lac. Alerte, une attaque furtive a été détectée. Il n'a pas été vaincu. Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Là, il y a quelque chose. Allez-y! Allez-les. On s'est fait encore attaquer, j'imagine que c'est le truc baveux là. Enfin, le. Non? Ah, c'est pas le. Non? Ah, ça devait être. Une attaque furtive qui a échoué. Allez, encore des empereurs! Unité perdue. Ah, je vais t'en faire des empereurs. Ah, c'est peut-être l'avion. Peut-être l'avion qui est arrivé ici. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Ah putain, c'est le palais, d'accord. C'est un petit peu plus difficile, le palais. Il y a du monde, il y a du people. Ah, mais lui, il est planqué. Bien joué. Visez les bâtiments de recherche parce que vous n'avez aucun espoir d'atteindre ma base. Ah, bien joué, empereur. Lui, il a été intelligent. Il s'est caché derrière la butte. Allez. On avance. Vous aussi. Avancez. Ça ne va pas être très long, effectivement. Toi, tu vas rester ici, parce qu'en fait, il peut toujours attaquer avec ses conneries. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'attaque! Il n'y aura plus de poste de commandement. J'aurais même pas besoin d'utiliser mon missile nucléaire, ça se trouve. Si, je vais utiliser là. Nous avons lancé notre missile nucléaire. Juste pour la blague. Boum! Juste pour la blague, juste pour l'avoir. Vous savez quoi? Juste pour avoir ce truc là. Juste pour l'avoir, histoire de déconner. Allez, on ira d'îlot, on s'en fout. Ah là! Le Steel Stinger là, qui a rien à foutre là. Il reste une petite caserne qu'on va se faire le plaisir de détruire. Voilà. Eh ben, on aura réussi finalement cette campagne des filles, hein. Putain! J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Mais bon. Au final, c'est un massacre dans les règles. C'est pas encore fini. Putain, c'est pas vrai. C'est pas encore fini, les amis. On passe dans la situation la plus ch... Ah 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 ah! La cache de ravitaillement. Les hommes sont partout sur le terrain général. Allez! Encore! Ah putain! Il arrête d'être invisible, c'est bizarre. Il devient visible, il arrête d'être invisible. Bon, ça y est, c'est fini là? Toujours pas. Oh, c'est pas possible. Il n'y a plus aucun bâtiment, c'est terminé! Non? C'est peut-être de l'autre côté? Putain, c'est pas possible. Oh putain, il a reconstruit des bâtiments ici. Usine chimique. La discrétion est mon allié et votre ennemi. Ou alors il y a des bâtiments ici. On va essayer de voir ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a plus de bâtiments ici. C'est pas possible. Bon, faites le ménage ici, vous. Amusez-vous. Apparemment, il n'y a rien ici. Un Stinger, ça. Je crois qu'il y a un trou de truc par ici, là. On va voir. Allez. Plus petit réseau de tunnels. Aucune chance.
Non, apparemment, ce n'est qu'un simple Seed Stinger. Bon. Rien de très grave, au final. Me dites pas qu'il a reconstruit la caserne et tout le bazar là. Nous vivrons dans la prospérité. Je suis sanglé, pareil. Parce que je vous avoue que ça me ferait vraiment chier. Parce que là j'ai gagné. Enfin je. Qu'est-ce que je risque encore? Sérieusement. Il a plus de poste de commandement. Ce qu'il a construit, c'est des bâtiments de pacotille. Du boucan par ici. Des forces approchent de ma base générale. Vous n'allez pas m'envahir, tout. Mais t'as plus de base. Ah putain. Sérieux. Vous avez vu ça? Sur chaque île, il y avait un putain de Seed Stinger. Au final, les MiG m'auraient pas servi. Ah putain. Bon mes chers amis, désolé encore. Je vais devoir vous faire durer un peu. Parce que notre ami Kassad ne veut pas se rendre alors qu'il n'a plus aucune chance de me vaincre. On est bien d'accord. J'ai détruit son poste de commandement, j'ai massacré tout son petit bazar. Il ne doit normalement ne plus rien rester de lui. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir bien le chercher dans son trou. Voilà, vous deux, là, vous allez là-bas. Et vous allez me dire ce que vous allez trouver. J'ai dit vous deux. Donc lui, il va faire demi-tour. Là, il y avait quelque chose. J'ai pas une grosse infanterie, j'ai une grosse armée d'empereur. Qui va te massacrer, fumier. Déjà que j'ai eu du mal au début, maintenant que j'ai je me suis débarrassé de tous ces putains de bâtiments, voilà que le fumier ne veut pas se rendre. C'est pas possible ça. Où est-ce qu'il est, nom de Dieu? C'est pas vrai. Mais merde, à la fin, il est où? Il vous reste un bâtiment, un seul petit bâtiment. Je sais pas c'est quoi. Je suis en train de tourner en rond. Et c'est ça qui est chiant avec le prince Kassad, c'est bien ça. C'est que monsieur tourne en rond. Non, mais il y a plus rien ici, hein. Il y a absolument plus rien. Réglez-vous sur la fréquence de l'ennemi. Je dois pouvoir les entendre. Réglez-vous sur la fréquence de l'ennemi. Putain, c'est pas possible. Il est où ce fumier? Ah oh, mais merde. C'est dingue ça, y'a plus rien. Y'a plus rien ici, y'a plus rien. C'est terminé. Et ensuite... Je règle la fréquence. C'est terminé, normalement il reste plus rien. Nous trouverons leur position. Déplacement. Oui, vous avez rien vu. On est bien d'accord. Vous avez quelque chose? Je règle la fréquence. C'est mieux gardé qu'il n'y paraît, génial. Nous trouverons leur position. Il y a des chars ennemis. Attaquez-le. Ok. Réglez-vous sur la fréquence de l'ennemi. Je règle la fréquence. Ok, il a mis plein de pièges explosifs ici. Je dois pouvoir les entendre. Réglez-vous sur la fréquence de l'ennemi. C'est pas possible ça. J'aime les grosses cibles. Je règle la fréquence. Lance-roquette pour la Chine. Voici-les. Alors. Attaquez-le. Nous trouverons leur position. Visiteur de chat.
cible la fréquence. J'aime les grosses cibles. L'ennemi. Nous trouvons. Allez, on avance. Et le plus gros calibre. Attaquez-le. Lance-roquette. Coincez-les. Soit il y a un bâtiment ici, soit il n'y a plus rien. Je vous avoue, j'en sais absolument rien. Je vais tout défoncer, je m'en fous. Il est temps. La voie est libre. On va se chercher de ce côté-là, on verra bien. Vous voyez. Bon. Réglez-vous sur la fréquence de l'ennemi. Là, il y a un foutu réseau de tunnel. Je dois pouvoir les entendre. Unité perdue. Comment ça, unité perdue? Comment j'ai pu avoir mon bâtiment détruit là? Faudra qu'on explique. Bon, les amis. Je suis coincé. Lorsque vous me verrez, il sera trop tard. Les amis, je suis coincé. Je n'ai aucune idée. Transfert en cours. D'où est-ce qu'il peut être, hein? Je règle la fréquence. Où est-ce qu'il a installé un putain de bâtiment? Où est-ce qu'il a fait un truc? Est-ce qu'il a fait un... Le temps d'y aller. Je sais pas, ça va être une heure que je vais être dessus là. Je n'ai aucune idée où est-ce qu'il a pu installer un dernier bâtiment ou je ne sais quoi. Je suis désolé, j'ai tout détruit là. Qu'est-ce qui vous fascine autant par ici, général ? Non mais je vois rien. Je dois pouvoir les entendre. Alors, que me révèle le satellite? D'après le satellite, il y a des trucs par ici. Vous entendez quelque chose? Nous trouverons leur position. Avion en attente. Bon, on va essayer de détruire les Sitzinger qui restent là, les machins. Je change de cap. Avec les MIG, on s'en fout. C'est pas trop mal. Parce que c'est pas croyable, bordel. Hein. J'ai hâte de vous voir attaquer, général. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Et en plus, il se fout de ma gueule. C'est pas possible, ça. En plus, il se fout de ma gueule. Y a rien ici, y a plus rien. Voilà. Je règle la fréquence. Oui, ça, je sais qu'il y a un putain de Stinger ici. Oh putain! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Nous avons lancé notre missile nucléaire. Oh mon dieu! Vous avez vu ça, les amis? Qu'il faut le plus le craindre. Oh putain! Bon! Et ben voilà! C'est le dernier bâtiment. Oh putain, j'étais certain d'avoir cherché par ici. Putain! Et ben voilà! Enfin, je pense que c'est le dernier, hein. Il ne doit plus rester grand chose maintenant. Voilà. Putain. Nous sommes victorieux. Ouh. Les hommes n'accepteront pas cette défaite de leur chef général. Félicitations, vous avez vaincu le prince. Avec vos tactiques supérieures. Il parlait encore, excusez-moi. Félicitations, vous avez vaincu le prince Kassad.
J'accepte ma défaite, général. Mais je vous conseille de surveiller vos arrières. Et ben voilà, donc c'était la quatrième mission dans la campagne défi avec le général Atomic Shin. Ça a été une mission chiante. Vraiment chiant, mais c'est comme ça avec le prince Kassad. Hein. C'est comme ça avec le général furtif GLA. C'est chiant, il faut le trouver, ce connard. Faut pas se faire surprendre. Je suis resté beaucoup trop longtemps terré dans mon territoire. Et ça, je vous l'ai dit, c'est parce que moi, j'aime bien quand c'est carré. Voilà, c'est que voilà, je mets ma défense en place. Dès que c'est bien mis en place, dès que j'ai plus de problèmes, là, je peux enfin contre-attaquer. Les MIG de ce côté-là m'ont bien aidé. Et m'ont enfin permis d'arrêter cette putain de vague de buggy lance roquettes, ces conneries qui arrêtent pas de vous détruire vos défenses. Avec le putain de camion aussi. Enfin, pas le camion, l'avion d'Anthrax là. Ça aussi, c'est assez chiant. Donc, on s'en a enfin débarrassé de tout ça. Et on a pu contre-attaquer et les massacrer avec tous les empereurs qu'on avait construits. Donc, ça a été une mission chiante. Hein, c'est pas chiante dans le sens où il s'est rien passé. Non, bien sûr que non. Mais chiant dans le sens où c'était compliqué, quoi. C'était difficile. Il nous a vraiment posé des problèmes et voilà, on a pu s'en sortir, c'était quand même l'essentiel. Voilà. Et bien, c'était donc la quatrième mission de cette campagne défi sur Command & Conquer Generals R-H avec le général Atomic Shin. J'espère que cette mission vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de notre playthrough sur Command & Conquer Generals R-H. C'était Monsieur Bobs, à très bientôt.